Une bobine comporte 3000 spires et sa longueur est de 3 cm. Calcule l'intensité du champ magnétique dans la bobine si celle-ci est traversée par un courant électrique de 2 mA. Voici les données. Le nombre de spires grand N est égal à 3000. La longueur grand L de la bobine est de 3 cm, c'est-à-dire de 0,03 m. L'intensité I du courant électrique est de 2 mA, ou encore 2 fois 10 exposant moins 3 ampères. On demande l'intensité grand B du champ magnétique à l'intérieur de la bobine, intensité que nous exprimons en Tesla. Et pour la trouver, nous nous servons de cette formule dans laquelle nous remplaçons la perméabilité mu par mu0, c'est-à-dire 4 pi fois 10 exposant moins 7 Tesla mètre sur ampère. Dans cette formule, nous remplaçons le mu0 par 4 fois pi fois 10 exposant moins 7, le i par 2 fois 10 exposant moins 3, le n par 3000 et le l par 0,03. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Ici, on peut simplifier par 3. Ainsi, nous trouvons 4 fois pi fois ce 2 fois 10 exposant moins 7 moins 3 plus 3 plus 2. Donc nous obtenons 8 fois pi fois 10 exposant moins 5, ce qui vaut à peu près 2,513 fois 10 exposant moins 4. Donc l'intensité grand B du champ magnétique à l'intérieur de la bobine vaut à peu près 2,513 fois 10 exposant moins 4 Tesla.